En tout cas, moi, ça m'a... C'est toujours... Franchement, je m'éclate à chaque fois que je filme un lookbook. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tenues. Donc, je vous ai filmé 11 tenues. Ah non, j'en ai 12, pardon. J'ai la rouge qui est par terre ici. J'ai donc choisi 12 articles. On va dire qu'il y a deux robes, la blanche et celle que je porte ici, qui sont des articles vraiment bling bling, on va dire. Ce sont des robes quand même très festives. Le reste, j'ai choisi essentiellement des robes que vous pouvez porter après la fête de l'Aïe. Vous voyez que vous pouvez porter... on va dire dans la vie quotidienne. Je trouve quand même que c'est plus intéressant d'acheter un article qu'on va pouvoir reporter plutôt qu'une robe canon qu'on va beaucoup moins porter. Alors, on va commencer donc sans plus tarder la revue. Sachez que j'ai fait des stories sur Instagram hyper détaillées pour chaque article. Donc je vais aller super vite puisque l'idée c'est vraiment de partager avec vous quand il y a quelque chose qui ne va pas dans un article, quand la coupe elle n'est pas jolie ou le tissu. C'est ce que j'ai fait la dernière fois et c'est vrai que plusieurs filles m'ont dit ah super, c'est super que tu puisses donner ton avis sur le tissu, sur la coupe, ça nous aide à choisir. Donc là pour le coup je ne vais vraiment pas m'attarder parce que tout est canon. Franchement j'ai rien à dire, je vous assure que j'ai rien à dire. Alors toutes les robes sont super belles, les tissus, les coupes, nickel. La seule chose, vraiment, ça c'est un détail, mais ça mérite quand même d'être souligné. Là, cette robe ici, la robe bleue, la ceinture en fait, elle est arrivée comme ça, vous voyez. Donc c'est une ceinture toute simple qui est censée être cousue. Et là, il y a une partie où c'est décousu, voilà, c'est un petit détail, mais... Voilà, quand on achète un article, on n'a pas... Moi, j'ai pas forcément envie de repasser derrière, de recoudre, surtout que c'est un truc que je n'aime pas faire, voilà. Et c'est vrai qu'on a envie de porter la chose directement. C'est un petit détail, mais je tenais quand même à le préciser. Mais excepté ça, franchement, les filles, si vous cherchez des ensembles pour...
pour l'été, le printemps, quand il fait beau, qui font classe, ça, ils sont canons. Ils sont canons. Sur le site, ils sont super beaux. Vous voyez, vous allez voir le mannequin qui porte ces ensembles. Ils sont super beaux, mais je ne m'attendais pas en fait à cette qualité-là. Le pantalon est complètement doublé. Donc ça, c'est génial. Ils auraient pu doubler le tissu, le haut. Après, moi, comme je vous disais, je porte toujours des sous-pulls de chez Uniqlo. Automatiquement, parce que comme je vous disais, à Singapour il fait super chaud et j'ai remarqué que quand je mets un sous-pull, voilà, ça m'aide à moins suer, ou en tout cas à suer dans le sous-pull. C'est pas très glamour, mais voilà. Mais ils auraient dû doubler, mais à part ça, ils sont canons, franchement. Je vais me prendre toutes les couleurs, ça c'est rien à dire. En plus, le tissu, ce qui est cool, c'est que c'est un peu chiffonné, donc du coup, c'est pas l'article, vous voyez, que vous devez repasser et tout. Alors, je vous montre encore d'autres coups de cœur. Ce sont ces robes. Franchement, elles sont trop belles. Je les trouve, mais magnifiques. Elles sont vraiment belles, elles sont vraiment jolies. J'ai pris une taille 36 pour ces robes, qui se portent d'ailleurs assez larges, comme vous pouvez le voir. Elles sont magnifiques. On va dire que ce sont des longues tuniques. Si vous mesurez, je mesure 1m70, 71, pour moi, je porte ça avec un pantalon, alors je mettrai des sandales vraiment qui montent. Mais sinon, si vous êtes beaucoup plus petite que moi, ces robes, ça sera des maxi-robes pour vous. Je vous ai posté il y a quelques temps une vidéo Modanisa, donc c'était ma sélection du mois de juin, c'était un lookbook maman-fille, n'hésitez pas à aller le voir. Là, pour le coup, je poste le lookbook du mois de juillet un peu en avance, puisque c'est un lookbook en fait pour la fête de l'Aïd, c'est une sélection, j'essaie de sélectionner des pièces pour la fête de l'Aïd. Pour la fête de l'Aïd, pardon, mais en même temps je me suis dit, attends, on est en été, donc ce serait bien en fait de choisir tout simplement des pièces qu'on va pouvoir reporter durant l'été. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas les filles à me laisser en commentaire les pièces que vous avez préférées. J'espère que cette sélection vous aura plu et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le répète à chaque fois, WithHasnabi, le lien est en barre d'informations, ainsi que le code promo WithHasnabi qui vous donne droit à 10% supplémentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.